le feu est c'est le premier médicament du corps. On va vivre avec cette loi jusqu'à la fin des temps. Dizem que quando precisamos nos encontrar, o melhor é mergulhar bem fundo, para dentro de nós mesmos. Mas muitas vezes, para esse mergulho acontecer, é preciso ir longe, bem longe. Uns falam que a pureza não existe mais. Outros, que só é possível em lugares remotos. Je dis que non, on ne peut pas chercher mon papa de chez lui et manger desse tranquillement chez moi. Bran, alors ça va? Je me demande demain que je viens de la Gambie et je vais aller descendre les bagages. Je vais qu'on arrange l'action. E segundo estes, a ausência da pureza está intimamente ligada ao progresso. Nous n'avons pas préparé cette guerre. Nous n'avons pas pensé que le Sénégal doit imposer à la Casamance à une guerre. Mais comme la guerre a été imposée, nous ferons de notre mieux. Dieu ne nous laissera pas souffrir éternellement. C'est un métier qui est la contrebande, c'est ça que je connais. Quoi. Après avoir fait l'étude de 12 ans de classe, voilà. Voilà. Ça me nourrit. Avec ça, Dieu merci, grâce à ça, quoi, je suis là peut-être. É aqui que descobrimos o grande espelho da alma, onde sopram ventos que se pode tocar. Onde se sente o pisar na terra seca, a alguns quilômetros do mar. Tant qu'il n'y a pas estruturação, il y aura pas de vérité. Il y aura pas de respect encore. C'est l'estomac qui parle, c'est vraiment leur ventre qui parle dans ce genre de situation. Pourquoi? Eh bien pour la faim, pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Aqui o tempo dita nossos passos numa espécie de Éden místico. Aqui o tempo não tem pressa. Anda descalço. C'est le médicament de la longue vie. Aqui é cabátio. Projeto engajado artisticamente e humanitariamente, que revela de maneira artística a organização social e cultural do vilarejo, dando ênfase à beleza da região e de seus habitantes. As obras serão destituídas de seu clichê típico, ganhando um novo espaço e maneira de visualização. Nosso objetivo é o de transportar o visitante à experiência que é sentar à sombra de uma árvore e tomar o chá senegalês.